Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée ici en Angleterre, parce qu'il y a des commentaires qui reviennent à chaque fois sur une vidéo que j'ai déposée sur ma page TikTok, où c'est Osimhen, le footballeur nigérien qui a donné de l'argent aux transgenres. Vous vous rappelez, non? Il a donné de l'argent. Il y a un commentaire bizarre qui disait que c'était combien de millions là. Ce que j'ai dit, le montant que j'ai dit, c'est le montant là qui est ça. Quand je viens ici, je viens ici avec des facts, je viens ici avec des preuves, je mets même ici même les récits, voilà, les captures d'écran pour vous montrer de quoi je parle. Je pense même que je vais arrêter cela. Parce que avec vous, les francophones, là, ça ne sert à rien de se justifier parfois. Vous ne valez rien au fait en anglais. Quand on vient pour vous traduire des choses, au lieu de vous la boucler, certains d'entre vous, vous passez à raconter du n'importe quoi. Anyway, c'est pas pour ça que nous sommes là. Il y a des gens qui ont fait des commentaires qui reviennent à chaque fois que c'est l'argent de Osimhen, il peut donner cet argent-là à qui il veut. C'est bien, il peut donner son argent à tout le monde, il n'y a pas de souci. À qui il veut, il n'y a pas de souci. Mais les Nigériens se plaignaient que lui, Don Jazzy, Tiwa Savage, whatever you call it, et d'autres personnes. Parce qu'il y a beaucoup de célébrités qui ont eu de l'argent qui était arrivé à près de 100 millions, voilà, de Naira. Pas millions de dollars. La personne qui baflotte là a dit aussi quelque chose de dollars. Ah, toi, tu peux faire dollars. Oh. C'est millions de Naira. Ça arrivait à presque millions de Naira, presque 100 millions de Naira. Les gens n'étaient pas contents parce que y a de la pauvreté. Vous avez vu que j'ai posté une vidéo la dernière fois où il y a une dame qui dort, qui vit au fait dans l'eau. Je ne peux pas poster ça sur TikTok. Essayez sur ma page Facebook. Allez-y, vous allez la voir. La dame, elle est dans la pauvreté, mais de ouf. Et ça se passe au Nigeria, le pays où il y a des billionnaires. Voilà. Donc les gens disaient qu'ils pouvaient prendre cet argent-là pour faire de bonnes choses. Et ces personnes-là n'avaient pas aussi tort. Voilà. Parce que on sait tous qui est Bob Risky. C'est une personne qui ne me dérange pas du tout. Pour ceux qui pensent que voilà, je suis fou. Moi, je m'en fous au fait de la vie des gens. Je viens, je relate des faits. Je m'en fous de la vie des gens. Parce que moi-même, j'ai ma propre vie à gérer. Donc les gens disaient que cet argent-là pouvait être peut-être pour construire une école, pour construire un puits, pour donner de l'eau à des communautés au Nigeria qui n'ont pas de l'eau. C'est des choses quand même importantes que ces personnes-là disaient. Mais ça arrivait à chaque fois où c'est leur argent, il peut faire ce qu'il veut faire. Donc, prenons cet exemple de l'histoire que je vais vous raconter plus tard. Ce jeune homme-là, il était en Angleterre ici. Il a payé ça avec son propre argent. Si je veux partir de votre théorie là, il a payé ça avec son propre argent. Il a douf sa maman. Et puis, il a douf quatre autres personnes. Il a douf 5 personnes au total. Donc vous dites quoi maintenant dans ce scénario-là? C'est son argent, il pourrait faire ce qu'il fait, non? Parce qu'il a payé le pisseau avec son argent. Vous voyez comme parfois vous réfléchissez un peu bêtement. Changer ce comportement, c'est pas bien. Parce que quand les choses ne vous arrivent pas, vous voyez comme si ce n'est pas des choses importantes. Il a payé le truc avec son propre argent. Donc avec son propre argent, il peut faire ce qu'il veut. C'est comme vous pouvez dire que quelqu'un peut prendre son argent pour aller payer ce qu'il veut, pour mettre dans la nourriture là où manger, et puis ils vont douf. Ce n'est pas de bonne manière de voir les choses. Venez avec de bons débats, des fois, dans les commentaires. Ça montre votre grandeur d'esprit. Et puis, it's more intelligent. You understand? Des faux stars.